Sonia Roland, les Bleus 2018 sont humbles, passionnés, et ils aiment leur public. À quelques heures de la finale de la Coupe du Monde, qui verra la France affronter la Croatie, Sonia Roland s'envole pour des vacances bien méritées. Je suis contente de pouvoir assister à ce match dans un esprit vacances, un esprit festif, parce que jusque-là, j'ai beaucoup travaillé sur mon prochain film, et avec mon compagnon, Jalil Esper, ND et LR, nous avons surtout regardé les matchs à la maison. La comédienne et réalisatrice a néanmoins beaucoup soutenu Kylian Mbappé, Antoine Griezmann mon chouchou, normal, il vient de Bourgogne et N'Golo Kanté sur son compte Instagram. Pour elle, si les Bleus gagnent, cela fera du bien à la France. J'ai été sacrée Miss France en 2000. Je connaissais très bien les Bleus de 98 et de l'Euro 2000. Ils sont de ma génération, et pour moi, les années post-Coupe du Monde sont de super années pour une jeunesse française multicolore. Je fais partie de ces artistes comme Jamel Debbouze ou Omar Sy qui ont émergé à ce moment-là, ça nous a tous fait du bien. Cette équipe a envoyé un message super positif. La comédienne a énormément confiance en l'équipe de Didier Deschamps, les Bleus 2018 sont humbles, passionnés par ce qu'ils font, ils aiment leur public. Ils s'expriment intelligemment, dans un français parfait, et ils sont fortement inspirés de 98. Sonia Roland confie enfin qu'elle espère vraiment voir la France à nouveau réunie sur les Champs-Élysées, comme en 1998 et comme mardi dernier, lors de la demi-finale contre la Belgique. Il faut bien dire que depuis quelque temps, il n'y a pas grand-chose de festif qui nous a réunis. Pour la génération qui va suivre, je souhaite très fort que l'on gagne.